qu'on était en pleine hystérie et il fallait des victimes expiatoires, il en a été une. Cette équipe n'avait pas besoin d'un capitaine. Personne n'aurait pu être capitaine dans cette équipe-là. L'ensemble des joueurs a décidé de ne pas participer à la séance d'entraînement programmée aujourd'hui. Evra, je l'avais vu assez rapidement après l'Afrique du Sud. Il a toujours été loyal. Il garde encore au cœur quelques petites échymoses de cette époque-là. Il sera en équipe de France jusqu'à ce que quelqu'un vienne et le prenne par le col pour le sortir du terrain. Il ne partira pas. T'as des mecs qui te donnent envie de mourir sur le terrain, quoi. Et ça, Pat le fait très bien. Honnêtement, il n'a pas eu une vie facile. Il a connu les années difficiles comme beaucoup de gens ici, malheureusement. Oui, il a failli craquer parce qu'il s'est donné tellement, il a tellement fait d'efforts pour arriver à ce qu'il voulait, et à un moment, il n'y croyait plus. Il est un homme au parcours hors normes et à l'histoire tumultueuse. Un joueur à la carrière brillante en club, mais mouvementé sous les couleurs de son pays. Encensé par les coéquipiers et les entraîneurs qui l'ont côtoyé, parfois décrié par les supporters des Bleus, longtemps détesté par les consultants les plus influents de la sphère médiatique, Patrice Evra cultive les paradoxes depuis toujours. Vice-champion d'Europe avec la Juventus cette année, l'ancien capitaine Oni de Nystar est redevenu un leader incontournable et admiré en équipe de France. Son histoire est celle d'un homme qui s'est accroché à son destin sans jamais douter de lui-même. Né à Dakar en 1981, d'un père sénégalais et d'une mère capverdienne, Patrice Evra débarque en région parisienne à l'âge de 3 ans. Aux Ulysses, dans l'Essonne, dans le quartier sensible des Hautes-Plaines. Ici, c'était dégueulasse. C'était un quartier à l'abandon. Sincèrement, tu vois, même là, je crois, là, ici, il y avait un immeuble, ils l'ont pété. C'est vrai que ça a beaucoup changé. Hein. Le quartier, il a été retapé, mais je peux te jurer qu'il y a quelques années, c'était pas comme ça. On jouait beaucoup au foot. Hein. Nous, c'était une jeunesse sportive. On a fait énormément de foot, énormément de sport. Donc, dès que les beaux jours, ils arrivaient, c'était les matchs de foot jusqu'à pas d'heure, on rentrait, c'était la nuit qui nous arrêtait en fait. Comme il était un petit peu plus jeune que nous, il devait rentrer un peu plus tôt que nous. Donc du coup, nous, on se permettait de finir la conversation en dessous de la fenêtre sans que sa maman nous attrape, parce que sinon, ça foutrait le bordel un petit peu. Aux Ulysses, Patrice, le petit dernier de la famille, grandit au milieu de ses nombreux frères et sœurs, sous la protection d'une maman séparée de son mari. La maman, pour éviter qu'on fasse des conneries, c'était une famille qui couvrait la porte à tout le monde. Elle faisait manger tous les jeunes du quartier. Voilà, au lieu de faire 10 km pour aller en soirée, maintenant c'est la maman Patrice qui faisait la soirée chez elle, qui accueillait tout le monde. C'était une famille avec un cœur comme ça. Au club de foot de la ville, qui a formé notamment Thierry Henry et Anthony Martial, le talent de Patrice Evra ne fait aucun doute, malgré sa petite taille. C'est Patrice qui faisait kiffer les grands du quartier dans les tournois interclubs. C'est Patrice, c'est le petit Patrice. Et il avait ses grands frères, les grands du quartier qui sont ici. Donc c'était un peu la petite star de l'équipe. Partout où on allait, c'était un peu la mascotte du club, des tournois qu'on faisait, etc. Tout le monde avait beaucoup d'affection pour lui. De 13 à 17 ans, le gaucher poursuivra sa formation à Brétigny, l'un des clubs formateurs les plus réputés de la région parisienne. Une fabrique à champions qui a lancé entre autres Paul-Georges Entep ou Jérémy Ménez. J'ai le souvenir même d'un match qu'il a dû faire contre les féminines de Juvisy et montrer justement sur ce match une énergie étonnante et qui avait justement suscité chez une dame contre qui il jouait un petit agacement de voir autant d'engagement. Mais ce qui était complètement logique, il y a une forme de respect de sa part, déjà, parce qu'il jouait les matchs de la même façon. Mais le monde pro le rejette, notamment le Stade Rennais qui le mettra à l'essai plusieurs fois, sans donner suite. Été 98, Patrice Evra a 17 ans et n'intéresse personne en France. Jusqu'à l'arrivée d'un recruteur italien présenté par un ami commun. Observateur en région parisienne pour le Torino, l'homme décide de louer un gymnase à Sainte-Geneviève-des-Bois pour observer Patrice Evra lors d'un match d'exhibition. Aussitôt convaincu, il donne à Evra 450 francs pour qu'il rachète sa licence amateur à Brétigny, puis téléphone au directeur sportif du Torino et lui vante les qualités du jeune attaquant français. Tout de suite, j'appelais mon copain Beppe Arcardi en Italie pour lui dire que j'avais quelqu'un qui était très bien. Et effectivement, une semaine après, il est parti pendant une semaine pour faire son test à Torino. J'ai vu l'entraînement et je suis été... Et tout de suite convaincu que lui était quelques joueurs avec des grandes possibilités de devenir un grand joueur. Le directeur de l'époque, il n'a pas voulu le prendre parce qu'ils étaient au complet, il n'a pas voulu courir le risque. J'ai dit à mon responsable, tu vas faire un papier ou tu vas te prendre les responsabilités
de ce qu'est lui aujourd'hui. Parce que pour moi, lui, c'est un joueur que nous devons prendre tout de suite. Evra rêve de Calcio, mais signera son premier contrat professionnel en Sicile à Marsala, en 3e division. Encore mineur, le garçon a besoin de l'accord de sa maman pour rejoindre l'Italie. Il hésitait parce que c'était quand même un grand pas. Et quand j'ai rencontré sa maman Juliette, qui a été d'une gentillesse extrême, j'ai remarqué qu'il y avait une certaine réticence. Limite, sa maman aurait pu refuser, sachant que bon, Patrice, c'est le dernier de sa famille, c'est le petit gamin. Il lui reste plus que lui, ses grandes sœurs, ses grands frères avaient grandi, avaient quitté le domicile familial. Patrice, c'était le dernier. La maman, qu'est-ce qui tourne de sa tête? Bah, je vais rester toute seule, il n'y a plus Patrice, tout le monde est parti, qu'est-ce que je vais faire? Et là, j'ai l'autorisation parentale de sa maman qu'on a signée à la mairie pour qu'il puisse signer un contrat pro et son premier contrat pro à Marsala. Début d'aventure pour Patrice Evra, oui. Il partait Paris-Palerme, en avion, en juillet 98. Il quitte les Ulysses pour l'Italie, accueilli sur place par un agent dont il ne connaît que le nom. Sa mère et l'un de ses grands frères lui rendent régulièrement visite pour le soutenir dans son aventure. Il a toujours été très renfermé, il avait l'air de quelqu'un de très timide. Après sa première année à Marsala, où il a fait une deuxième partie de championnat vraiment formidable, il y a eu un petit passage où il aurait dû signer, où il y avait des clubs très importants. Il y a eu une opportunité pour la Lazio de Rome de l'époque, qui était un grand club. À la fin, ça ne s'est pas fait. Et après, il a signé à Monza, donc en deuxième division italienne. Et il a demandé à que ce soit moi qui l'accompagne dans le box du club, plutôt que l'agent FIFA auquel il était rattaché en Italie de l'époque. Monza achète en copropriété Patrice Evra pour 400 millions de lire, l'équivalent de 250 000 euros. Une somme importante pour un jeune joueur de série C. Mais en conflit avec l'entraîneur, le jeune Français joue peu. Seul, confronté au racisme dans certains stades, l'attaquant vit mal cette période. Une expérience qui va cependant l'endurcir et qui lui sera bénéfique à son grand retour en France en 2001, où il décroche un contrat à Nice, alors en Ligue 2. Sa première saison est laborieuse, il ne dispute que 5 matchs. Mais le déclic surviendra l'année d'après, dès la première journée de championnat. Au stade Duré face à Laval, Patrice Evra glisse dans le couloir gauche, qu'il ne quittera plus de toute sa carrière. Lui, quando arrivato, aveva già carattere, si è visto. Quand il est arrivé, il avait déjà du caractère, je l'ai remarqué tout de suite. Lui non voleva, perché voleva giocare attaccante. Quand je lui ai dit qu'il allait jouer latéral, il ne voulait pas. Il voulait jouer attaquant, il aimait ça. C'était un attaquant. Il voulait me prouver qu'il avait du tempérament, sauf que son caractère le desservait à ce moment-là, car il ne voulait pas m'écouter. Il me répétait « Non, je veux être attaquant ». Il a toujours voulu être un joueur offensif. Je pense qu'il aimait bien un petit peu attaquer, être offensif dans son jeu, tout ça. Mais c'est vrai qu'il n'en parlait pas d'être arrière latéral. Les Niçois monteront en première division à l'issue de cette saison et Patrice Evra sera élu meilleur arrière-gauche de Ligue 2. Son profil séduit l'ambitieux voisin monégasque. D'attaquant à latéral, le franco-sénégalais opère sa mue et rêve désormais aux plus grandes conquêtes. Tout de suite, il a voulu s'imposer. Pour lui, c'était un titulaire déjà dans cette équipe monégasque, alors qu'il y avait des noms. À l'époque, il y a Didier Deschamps voulait faire du tri, mais on avait encore beaucoup de joueurs d'expérience. Et lui, il était sûr de réussir et de s'imposer. Ça fait une grosse évolution quand même. On sort de Ligue 2, on fait la montée en Ligue 1. De suite, il se retrouve à Monaco, Ligue des Champions. C'est quand même exceptionnel, quoi. Moi, je me rappelle, je voyais à Monaco qui mettait la chanson de la Champions League. Genre, il m'a appelé, il mettait la musique à fond, il mettait la Champions League. C'était marrant, quoi. C'est des bons souvenirs. Voilà, c'est comme un rêve de gosse, quoi. Imagine, ton pote, il t'appelle, il te met la chanson de la Champions League. C'est à mourir de rire, quoi. Il avait ça dans sa voiture, quoi. Sa générosité et son insouciance font de ce jeune défenseur à l'âme très offensive l'un des symboles de la réussite des joueurs de la Principauté. Compétiteur acharné, il devient l'un des hommes de base de Didier Deschamps et dispute en 2004, à 23 ans, sa première finale de Ligue des Champions, perdue contre le Porto de José Mourinho. Cette folle aventure embrase la France du foot et se révélera décisive dans la carrière de Patrice Evra. Il est vraiment tombé avec l'entraîneur, le groupe de joueurs qu'il fallait pour cultiver ça, cette ambition et tout de suite se dire, voilà, il n'y a plus de limite, on ne se fixait plus de limite. En janvier 2006, 6 mois après le départ de Deschamps, il décide de quitter Monaco en cours de saison.
direction la Première Ligue et Manchester United. Barré à ses débuts par Gabriel Heinze et Michael Silvestre, il s'affirme rapidement comme un titulaire indiscutable. En 8 saisons, il remporte notamment une Ligue des Champions et 5 fois le championnat anglais. Élu à 3 reprises meilleur latéral gauche outre-Manche, meilleur joueur du monde à son poste selon la FIFA en 2009, Evra casse la baraque. Il m'a envoyé un beau message quelques années après pour me remercier. Il me disait « Hey mister, si je suis maintenant à Manchester, c'est grâce à vous, car c'est vous qui m'avez fait jouer arrière-gauche, alors que j'étais attaquant. » Patrice Evra est au sommet de sa carrière. Mais sa relation avec l'équipe de France n'a jamais suivi la courbe de ses performances en club. Convoqué pour la première fois par Jacques Santini pour affronter le Brésil en 2004, il ne sera finalement pas retenu dans le groupe des 23 amené à disputer l'Euro cette année-là. Il y avait de la déception, il s'y attendait à ne pas être pris dans cette liste, mais c'était le il savait que ça allait être le début et que sur sa première sélection, et j'étais présent, c'était plus que des étoiles dans les yeux, quoi. Donc c'était un retour en arrière. Quand on a disputé le premier match de Ligue des Champions, par exemple, j'ai ressenti chez Patrice beaucoup de fierté aussi et c'était pareil avec l'équipe de France. En 2006, nouvel échec. Patrice Evra n'est pas retenu par Raymond Domenech pour la Coupe du Monde en Allemagne. Ce n'est que 2 ans plus tard qu'il disputera sa première compétition internationale lors de l'Euro 2008, conclue par une élimination dès le premier tour. Il débute sur le banc avant de jouer les 2 matchs suivants. Malgré l'échec, son statut évolue, il devient titulaire et Raymond Domenech le nomme capitaine des Bleus quelques jours avant le début de la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Un cadeau empoisonné. Moi je crois en cette équipe et pour moi, je vais à la Coupe du Monde pour gagner cette Coupe du Monde. Dans un climat malsain, le rôle de capitaine va le submerger. Le mondial vire au fiasco après l'exclusion de Nicolas Anelka et la grève des joueurs à Naïsna. Patrice Evra apparaît en première ligne, inconscient de l'ampleur prise par les événements. Il met en cause les médias et exprime une colère froide lors d'une conférence de presse surréaliste donnée aux côtés du président de la Fédération française, Jean-Pierre Escalette, totalement dépassé. Que la presse nous traite de nul, de tout ce que vous voulez, je suis d'accord. Il n'y a pas de souci, il a dit qu'on est catastrophique, on est des imposteurs, tout ce que vous voulez. Mais que la presse là écrive des mots comme ça, on va où? On n'est plus dans le football là, on est des êtres humains. Quand tu es en Afrique du Sud, quand tu vois que c'est le bazar, mais vraiment le bazar, que tu as un sélectionneur qui gère plus rien, qui est pourtant le garant de ce groupe, et que toi tu te retrouves capitaine avec des joueurs avec beaucoup d'expérience dans le groupe, comme Thierry Henry et d'autres, qui ont la tête dans le sac aussi. Qu'est-ce que tu fais? Le problème, c'est pas Anelka. Le problème de l'équipe de France, c'est pas Anelka. C'est le traître qui est parmi nous. Il a fait une grosse erreur de com' quand il est parti en conférence de presse, le fameux jour où il a dit oui, le traître, machin, tout ça. À ce moment-là, c'était fallait pas dire ça à ce moment-là. Mais encore une fois, je l'ai retrouvé parce que c'est un mec entier. Et je pense qu'il était vraiment, vraiment à fleur de peau, touché à ce moment-là, vraiment de ce qu'il entendait. Il avait des capacités. Il peut être rassembleur. Mais que cette équipe n'avait pas besoin d'un capitaine. Elle pouvait pas, personne n'aurait pu être capitaine dans cette équipe-là. Les Bleus quitteront l'Afrique du Sud dès le premier tour, responsable du plus grand couac de l'histoire du football français. La tête des mutins de Naïsna est réclamée. Une commission d'enquête créée par la fédération est chargée de faire la lumière sur les événements du 20 juin. Les joueurs vont devoir s'expliquer. Lui est venu spontanément, seul, sans conseiller, exprimer sa vérité. Il y a d'autres joueurs qui ont dit « Non, je ne peux pas m'exprimer sans l'accord de mon avocat, sans l'accord de mon agent, sans avoir parlé avant avec Laurent Blanc. » Il était relativement choqué. À mon avis, il se rendait compte qu'il était comme une coquille de noix ballottée par la tempête et que ça allait mal se terminer sans doute pour lui. Laurent Davenas, président de cette commission d'enquête, rédige un rapport de 25 pages qu'il met à la disposition de la fédération. Mais face à notre caméra, l'ancien magistrat nous a révélé le dessous des cartes et raconté une histoire bien différente de celle qui courait jusqu'ici. Dans la commission, donc, on a raconté ce qu'on pensait être notre vérité et on n'a pas stigmatisé négativement le rôle d'Evra. Les politiques s'étaient emparés de l'affaire, on était en pleine hystérie et il fallait des victimes expiatoires, il en a été une.
Effectivement, il était sanctionné de mon point de vue trop durement. Mais selon l'avocat du joueur, ce rapport n'a jamais été mis dans le dossier disciplinaire. Je lui avais dit, il faut que j'aille voir le dossier, bien sûr, à la fédération. Et là, c'était très étonnant parce que dans le dossier de la fédération, il n'y avait rien. Il n'y avait aucun rapport écrit. Rien. Le dossier était vide au sens propre et figuré du terme. Ça peut se comprendre, même si c'est choquant, parce que notre rapport n'allait pas dans le sens de la sévérité des sanctions prononcées par la commission de discipline de la fédération. Sanctionné pour avoir été le capitaine d'une équipe en perdition, Patrice Evra écopera de 5 matchs de suspension. Nicolas Anelka, Franck Ribéry et Jérémy Toulalan seront également suspendus par la commission de discipline. Evra sera le seul joueur à faire appel de la sanction, persuadé d'être la victime d'une condamnation politique. Sa suspension sera confirmée. Déterminé à prouver son innocence et à poursuivre la procédure, ses proches le persuadent cependant d'accepter le verdict. Et on lui a expliqué, on lui a dit, mais il n'y a pas besoin de lui expliquer que effectivement faire un procès à sa fédération, c'était pas bien. C'était pas bien. Voilà. Et c'est comme ça que finalement, il a accepté la paix. Take a body, take a body, take a body, take a body.